Bonjour, bonsoir, on continue notre aventure sur Oxygène, not include. Donc voilà, ici je vais faire une descente vers le bas qui va aller ici pour la fumerole. Mais avant tout, on va venir ici. On va creuser là pour essayer de remettre tout ensemble. C'est-à-dire, on va redescendre ici toute l'eau. Pour que ce soit ici, l'eau salée. Comme ça, l'eau salée va peut-être, quoique là on est à du 45, 36. On va rester jusqu'ici, l'eau. On va pas descendre plus bas. Comme ça, on pourra faire un circuit, justement, en récupérant l'eau, en passant ici et en repassant par là. Donc ça, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais. Et on va voir si c'est réalisable ou pas. Bon, terrarium à algues. On va le mettre là. Pour la suite, il creuse ici. Là, on a stoppé un petit peu pour l'instant parce que la glace ne nous intéresse pas. Et ici, avant tout, on va agrandir parce que je sais que de l'eau polluée, on va en avoir. Et je ne veux pas, justement, que ça déborde. On va même mettre une petite sécurité ici. Hop, en 7. Et on va creuser ici, en 7. En attendant, tout se passe bien niveau nourriture, hein. Moi, ce que j'aimerais ici, voilà, c'est Devon, il dort à terre, ça ne me va pas, je vais lui mettre ce lit-là. On va rajouter un lit pour un nouveau duplicant qui pourrait arriver, qui est là, et voir un petit peu après ce qu'on pourrait avoir. Devon, j'attends qu'il passe ses levels pour justement pouvoir commencer l'élevage de créatures là-bas. Ici, ils doivent me construire le mur très rapidement. Voilà, comme ça, on a isolé. Dioxyde de carbone, on commence à en avoir un petit peu trop ici. Donc ici, tac tac, empêche les liquides de circuler sans bloquer les gaz. On va le mettre en 7 aussi. Comme ceci, et on va creuser là. Voilà, pas mal de petites activités pour creuser, hein. Et on espère que Devon prendra les levels qu'il faut dans cette vidéo pour pouvoir commencer l'élevage de gloutons là-bas et donc récupérer du charbon pour pouvoir faire notre centrale de dioxyde. Enfin, au carbone, au charbon. Et ici, on pourrait traiter le dioxyde de carbone. On se fera un bassin par là. Là, il va falloir que l'échange se fasse un petit peu plus vite. Voilà, faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de suffocation. On va leur laisser terminer la recherche. Et c'est à partir d'ici normalement que je vais commencer à foirer, hein. Je vous le dis tout de suite parce que la gestion de l'énergie, je vais avoir du mal. Gestion de la nourriture, bah, jusqu'ici ça a été. Donc voilà, je pourrais tenir hein, mes 200 cycles en restant là-dessus, mais le but est quand même d'évoluer. Recherche est faite. Maintenant, on va se lancer dans quoi? On pourrait se lancer dans l'art dans le cas où on aurait un gars qui est doué dans l'art. De toute façon, il va falloir toutes les faire. Hein. Voilà, tout comme ceci, avoir les lucioles aussi. Mais les lucioles, pour se nourrir, ont besoin de tubercules. Régime B velu, B fibreuse ou phosphorite. Il n'y en a pas encore la phosphorite. Donc ce ne serait pas l'idéal. Par contre, on pourrait prévoir ici une vraie salle de culture pour les baies velues. Les baies velues, 1600 kilocalories ici pour faire des baies fibreuses. Nous ont rapporté 2000. Donc ça, on pourrait aussi mettre en place hein, ce système-là. On pourrait l'imaginer. Bon allez, faites-moi le lit.
raffinerie de métal, ça va nous aider pour la suite aussi, la dalle métallique. Raffinerie de métal qui va nous produire du métal raffiné, mais sur base de comment d'eau qu'on va chauffer malheureusement. Voilà, et le trou ici, vous voyez, même si ça vient déborder, j'ai une petite limite quand même. Travaux de forage, ça fait partie du jeu. Ouais, ça produit de l'eau polluée. Allez, ramassez-moi ça, s'il vous plaît. Beaucoup trop de dioxyde de carbone. Et ça va devenir un problème. Recherche à faire, donc ça c'est bon. Le problème c'est que voilà, si je prends ici et que je traite l'eau, je vais me retrouver avec une oxygène, avec de l'eau polluée que je ne sais pas encore traiter pour l'instant. Alors que je pourrais la rejeter ici, on est quand même sur une eau à 80 degrés, donc je pense que c'est limite ce que l'on va devoir faire. Déjà, tout transporter ici. L'oxygène dans la base est bon. Ici, on n'a rien de spécial, hein. Pas encore eu de champignons alors que les champignons nous auraient bien aidé. Mais on va avoir accès aux laitues. Hein. Donc voilà, il y aura des épisodes hein, plus calmes comme ça, comme vous le voyez. Parce qu'on n'a pas trop le choix. On dévonne bientôt. Encore un ou deux cycles. Et ça devrait être bon. Pendant ce temps-là, ils vont pouvoir travailler ici. On va aussi refaire des stockages. Comme ça, dès qu'on a le gars... On va ramasser ici. Voilà, là mes deux portes sont faites. Ici, il a fait son job. Donc là, en soi, il n'y a plus grand-chose à faire à part attendre. On va les laisser récolter ici. Ils m'ont fait le lit. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait un gars avec de la force. L'art, peut-être. La construction. Art, force ou construction? Regardons un petit peu les plans. Qu'est-ce qu'il nous propose? Pecno, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Bon, les trois là, ça peut aller. On a la construction, on a de l'art avec Turner.
On a un Draco. Pour le Draco, ne m'intéresse pas pour l'instant. Pour avoir un deuxième mineur. Hein. On va prendre un rôle pour avoir un deuxième mineur. Priorité à Harold, ça va être de miner. Hop, creuser. Priorité première. Alors là, c'est de l'obsidienne. Ça peut être intéressant d'avoir de l'obsidienne, hein. Là, je vais essayer de réunir tout l'hydrogène. Non, on va pas. Là, on va commencer à chipoter dans les matériaux. De la roche magmatique, hein. Un échauffement lent. Et comme ça, on se garde un sas. Dioxyde de carbone, ça va. Il va s'accumuler ici. Pas mal de dioxyde de carbone. C'est pour ça que je veux que on ait des algues là. Bon, une fois qu'on sera descendu là, on va pouvoir commencer à traiter les water seeds. On n'a personne sur l'art. Donc on pourra prendre l'incubateur. Devon toujours pas. Donc l'eau, en fait, on va venir ici pour la pomper. Il faudra voir au niveau des calques de germes. Il y aura juste une petite zone là à éviter. Donc on va passer comme ceci. Ici, on va venir pomper l'eau là. Et donc pour ça, il va me falloir les tuyaux justement ici. Conduite rayonnante. Donc on va faire ça d'abord. Ici, on va faire monter. On verra comment ça va se passer quand on aura déjà récupéré toute l'eau qui est ici. L'hydrogène qui va être là, va falloir qu'on traite l'hydrogène, comme je vous l'ai dit. On va rentrer dans d'autres cycles, hein, donc dans le cycle de gestion du dioxyde de carbone, la gestion du traitement de l'hydrogène, de l'oxygène pollué, au passage. Déjà pouvoir mettre un désodorisant ici. Parce qu'on va avoir de l'oxygène pollué qui va remonter à un certain moment. Et puis il vaut mieux en avoir un que de ne pas en avoir.
et quand on traitera le dioxyde de carbone qu'on pourrait traiter ici, hein. J'ai ma pompe qui est là, il suffirait que je fasse passer l'eau. Je traiterai ici, comme ça il n'y a que la zone ici en dessous qui resterait en dioxyde de carbone. Il faudra que je me fasse un bassin d'eau polluée et que je retraite le bassin. Au niveau électricité, on est à 1080 watts si tout tourne en même temps sur la ligne. Donc là, il va falloir commencer à faire gaffe. Ça se passe bien, ça se passe bien. Lentement, mais sûrement. Alors, c'est sûrement pas la saison la plus passionnante que vous ayez vue sur Oxygen Not Included, ça je me doute. Mais à défaut d'être passionnante, on va essayer qu'elle soit réfléchie. On commence à avoir un petit peu d'oxygène quand même. En algues, 24 tonnes, on est bon. Recherche là est terminée. Là, c'est surtout pour régler le problème de l'hydrogène, hein, que je le mets là. L'élément chimique le plus commun dans l'univers de l'état gazeux, type de ressource gaz, irrespirable. À moins 252 degrés, il se liquéfie. Alors le dessalinateur que je n'ai pas encore utilisé aussi m'inquiète. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on a de l'eau chaude qui ressort ou pas? Voilà, Devon, enfin, élevage de créatures, c'est fait. Bon, Ab, il est au max. Joshua, il est au max. Sinky, hop, on le monte. Oui, parce qu'on va devoir passer aux exosuites aussi. Jean, toi tu es bon. Jean, tu es bon, on pourrait te mettre en bricolage un petit peu. Et toi, en ingénierie. Falloir que tu passes après sur la construction, mon ami. Alors, pourquoi passer ici dans l'eau ? Parce qu'elle a une capacité calorifique de 4.1 et ici une capacité calorifique de 4.1 aussi. Conductivité thermique de 0,580 à 0,609. C'est-à-dire que au niveau de l'eau, ça devrait ne pas poser de problème de passer par ceci. Je dis bien ça devrait. Hein. Ici, on a déjà une tonne d'eau. Il va falloir penser doucement à mettre un deuxième. Pour le gaz naturel, il va falloir penser aussi à récupérer les gaz qu'on en a ici. Production d'oxygène insuffisante. Mais non. Une tonne 7, une tonne 6, non, on est bon, je ne sais pas pourquoi me dit ça. Et là, ça descend, ça monte, très bien. Thank you.
Pas encore l'incubateur. Bon, maintenant qu'on a celui-là, capturer des créatures, on avait un glouton ici qui m'embêtait. Et un là aussi. On a un œuf ici. Et ce qui fait que je vais pouvoir mettre ma barre de pompier. Voilà, hop, ils sont embarqués. Ils vont être mis ici. Un seul glouton pour l'instant. Sauvage. Il a été soigné. Alors, il faut savoir que... plus ils vont être ici, à la station de toilettage, mieux ça va être pour eux. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir devenir... comment ? Des gloutons de... domestiqués. Et il est content, regardez, il vient le chercher, il le lave, et le glouton est content aussi. Voilà, en pause, soigné. Et là, on nettoie la salle. On fait du rangement. Je pense qu'il doit me manquer un meuble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est à 9 duplicants. Donc il me manque une table d'hôte. Voilà, il y en a 3 gloutons ici, c'est en train de se mettre en place. On a déjà quelques tonnes d'hydrogène là aussi. Hein. Mon but serait de faire un système tout à fait indépendant ici, avec le traitement de l'eau salée en eau, qui produirait de l'oxygène, de l'hydrogène, et l'hydrogène, donc de l'électricité du coup. Alors, ce qui va m'intéresser aussi, voilà, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets sur une hauteur de 6, donc là, on perd en puissance. Donc il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6 par rapport au sol. Donc si je mets un sol là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, là, pour avoir le truc... total. Donc ici on va creuser et on va refaire une nouvelle salle pour pouvoir y mettre de nouvelles plantes. Déjà détruire tout ça. Ah non, c'est pas ça que je vais mettre là. C'est pas celle-là. Je vais mettre les dalles de culture et pas les hydroponiques. Hein. Parce qu'il faut des canalisations et je ne suis pas encore aux canalisations. Voilà, si je pouvais déjà mettre sur tout ceci des plantes velues. Faudra voir ce que j'ai besoin comme lampe, le nombre de lampes.
énergie et câble. Le duplicant ne m'intéresse pas, on va choisir un plan. Qu'est-ce qu'on a? Des bébés gloutons. Hop, imprimer le bébé glouton. La recherche est terminée. Du coup, que va-t-on avoir besoin? Toujours en fonction de mes connaissances, hein, ça c'est le problème. Parce qu'elles ne sont pas très grandes. Est-ce que je peux déjà traiter l'hydrogène? Dessalinateur, épurateur. Voilà, générateur et hydrogène. Si j'ai pas ceci, ça va pas m'aider. Hein. Puis après, on va se lancer dans l'électricité. Hein. Va falloir absolument y passer. Turbine à vapeur. Ça m'empêcherait d'avoir de l'eau si je passais par la turbine à vapeur. Hein. C'est le souci. Bon, la pièce ici va être énorme, hein, je vous l'accorde, donc je ne saurais pas le faire passer en serre d'allant de 6 dalles. Vous voyez, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 96 divisé par 6, 96 divisé par 3. Déjà, bah non, bah 60, donc ça fait 10 et il reste 36, ça fait 16. Et on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faudrait venir jusqu'ici, fermer ici, et je pourrais avoir une seule salle. Donc c'est possible. Je n'ai rien dit. On va déjà voir avec la plante ici combien... Enfin, avec la plante. Je sais pas pourquoi je me suis mis là sur le côté. La luminosité. Où est-ce que je vois la luminosité? La lumière, quelques lumières. Voilà, donc celle-ci, je ne l'ai pas. Donc celle-ci, je peux la baquer. Là, je peux lui dire, maintenant, tu vas mettre des graines velues. Planter. 6. Et on va copier jusqu'ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on va fermer la salle. J'empêche celle-ci d'être cassée pour la simple et unique raison qu'il faut absolument que je détruise les autres. Hein. Bon, là, ça doit encore se faire. Là, doucement, mais sûrement. On en a 4 ici, ce qui est très bien. Ils sont tous sauvages, 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 sauvages et sauvages. Donc je peux pas encore vous montrer la différence, hein. Malheureusement.
Allez, terminez-moi cette salle, s'il vous plaît. On dépasse la demi-heure de vidéo. Bon pour qu'elle pousse. Parce que 30 degrés et c'est bon, on est sur du 23. On va avoir nos nouvelles cultures du coup. Et justement, est-ce que je peux en faire une pièce? Non, pas encore. Donc une fois que ma recherche ici sera terminée sur l'hydrogène. Ben si, je peux le faire. Pour que ce soit une fée, une serre, il me faut une station agronome. Et la station agronome, elle est... Elle est où, ma station agronome? Mobilier? Non. Station agronome. Produit de l'engrais à micro-éléments pour augmenter le taux de croissance des plantes. Donc hop, je vais pouvoir la faire ici, ma station. Donc casser là. Faire un joli mur ici. Et comme ça, ce sera réglé. Est-ce que ma station agronome a besoin d'énergie? Non. C'est très bien. Donc ici, j'aurai ma première serre. Ceci n'étant pas considéré comme une serre, mais étant considéré comme un gros bordel où les plantes poussent. Voyez, observe. Croissance de la plante accélérée. Et ça, c'est juste super. On va laisser la recherche un petit peu sur le côté. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.